Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc désolé si vous voyez ça. Donc en fait, à l'école, je me suis amusée à faire des trucs comme ça. Donc ça, c'est un portail et tout. Enfin, voilà, donc avec les contacts et tout. Et là, c'est des trucs... c'est vraiment débile. Et là, c'est un ordinateur. Et je les trouve trop bien faits, donc c'est moi qui les ai faits. Et ça, c'est pour ma maîtresse. Donc en fait, ça sent trop bon. Ça sent la tulipe violette. Je sais pas, la lavande, je crois. Ouais, c'est la lavande. Et en fait, voilà. Donc je trouve ça trop beau. Et je vais lui offrir. Parce qu'en fait, je l'ai acheté pour ma maîtresse. Pour mon prof, si vous voulez. Mais moi, je dis maîtresse. Parce que j'ai envie. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous retrouver en fait dans une vidéo où je vais vous montrer ce qu'il faut pour une. Dans la cage de votre hamster. Donc déjà une gamelle. Donc je vais prendre celle de Noisette, trop grande, mais elle comme elle est assez grosse, c'est tout. Donc son mélange maison. Donc voilà. Me dites pas que c'est pas beaucoup. Franchement, elle mange rien du tout. Et là. Ça fait genre 2 jours qu'elle l'a. Et voilà, avec une gamelle. Donc voilà. Donc, désolée. Hein. Biberon, gamelle d'eau. Donc moi, j'ai utilisé un biberon parce que... voilà, mais sinon, en fait, elle a une gamelle d'eau et un biberon. Comme ça, ben, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Si elle a envie de voir... Mais elle boit plus au biberon, je pense qu'elle le préfère. Mais franchement, elle boit aussi à la gamelle quand elle a envie. Qu'est-ce que ta petite molette? Tiens, tu veux boire? Oui? Désolée si je t'en ai un petit peu. Donc, voilà. Un petit hamster. Donc, voilà. Après, aussi, il vous faudra... Comme c'est dans le de la terre à pain, donc c'est comme ça. Et moi, c'est de la marque Aimé. Mais j'aime beaucoup cette marque. Voilà. Dans la cage aussi, il vous faudra du foin. Moi, c'est du foin, voilà quoi. C'est du foin. Bien sûr, de la litière, donc de la litière de chambre. Sauf que moi, j'en suis en rupture. Donc voilà. Et comme je peux pas y aller et tout, voilà. Donc ça, c'est vraiment facultatif. Mais c'est très bon d'en donner. C'est du millet comme ça là. Je vais essayer de le... Là, comme ça. Donc, je vais, avant de toucher tous les aliments et tout, lavez-vous bien les mains. Parce qu'on ne touche pas les bouts. Voilà. Aussi, il vous faudra... un petit pot pour mettre la terre à bain. Donc moi je mets ça, mais c'est trop petit, je vous montre ça, mais c'est vraiment trop petit. Et voilà. Et quelques jeux. Donc moi je vais vous montrer la carotte que j'ai pas encore mis à Noisette. Enfin, si je l'ai mis, je l'ai retiré. Donc voilà, la carotte, il y avait le label. Donc voilà. Aussi je voulais vous prévenir, mais je vais pas la mettre, enfin on m'a conseillé de... Enfin, on dit qu'il faut mettre des lamelles de mouchoir à ton Noisette. Je sais que tu veux ta carotte. Voilà. Ça y est, elle est là. Je sais qu'on m'a conseillé les lamelles de mouchoir. Mais franchement, je lui en mettrai pas parce que apparemment, bah, c'est pas bien. Du coup, bah, je mets du foin, c'est plus naturel. Et bon, c'est bien plus bon. De la nourriture, donc on montre au hasard. Voilà, donc ça, il faut pas le prendre. Moi, je vous ai dit dans ma précédente vidéo, la nourriture pour mon hamster. Moi, c'est un hamster sérieux. Je sais pas. J'ai même pas envie de vous dire ce que c'est tellement que c'est pas bien. Parce qu'en fait, moi, mon hamster, il déteste ça. Du coup, je dis que c'est pas bien. Vous comprenez. Et en plus, il mange pas ça dans la nature. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous mets les dimensions de la cage.
ici. Et oui, comment, enfin, la longueur de la litière, quoi. Enfin, la longueur de la litière, voilà. Combien de litières il faut mettre en centimètres? Voilà.